Bonjour et bienvenue dans cette deuxième vidéo du tutoriel dédié à la cuisson d'Amiibo. Avant d'aller plus loin, il faut rappeler que cette étape requiert l'usage d'outils tranchants. Aussi, faites attention à vous. Dans cette deuxième étape, nous allons notamment sortir l'Amiibo et retirer les éventuelles lignes de moulage. Vous pouvez utiliser le même cutter que l'étape précédente ou un couteau de modélisme. Pour ma part, ce sera un couteau de modélisme plus ferme qu'un cutter. Tout en retirant l'Amiibo, retirez également l'opercule sur l'Amiibo, qui empêche la communication NFC de l'Amiibo. Une fois retiré, vous pouvez mettre de côté le plastique et le carton. Nous y reviendrons plus tard lors de la custo de la boîte. Une fois l'Amiibo en main, vous pouvez le nettoyer avec un essuie-tout, afin de retirer les éventuels résidus. Vérifiez alors les lignes de moulage au niveau des parties les plus visibles, dont les hanches, la queue et les oreilles. On ne s'attardera pas sur les défauts de peinture qui pourront être corrigés plus tard. Une fois repéré, utilisez votre outil pour ébarber les lignes de moulage, c'est-à-dire retirer les parties excédentes en utilisant le tranchant de la lame sans forcer. Voilà, votre amiibo est prêt pour la sculpture et la peinture.